Bien, on a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue de la première séance d'essai libre. Yop tout le monde, c'est Drochage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2018. On se retrouve en Hongrie avec nos deux améliorations comme prévu. Donc une amélioration moteur en termes de puissance, donc c'est la tête de cylindre, et une amélioration de longévité. Donc on est toujours derrière Mercedes en termes de puissance moteur. Et pour la longévité, donc la fiabilité, c'est une upgrade sur la boîte de vitesse afin de ne plus avoir de problème. On a encore une amélioration de prévu pour l'Italie. Donc ça c'est assez intéressant, on va surveiller ça. Et vous pouvez le voir, Red Bull, sorti de nulle part, a fait une amélioration de fou vraiment. Ils ont ramené une sorte de voiture B et ils sont repassés devant Ferrari, devant Mercedes et devant Renault. Je sais pas comment ils ont fait vraiment, mais en tout cas maintenant Red Bull, ça fait un peu peur on va dire, parce que bon, quand tu vois le rythme de développement, on va se méfier. Et on va partir tout de suite en première séance d'essai. Bienvenue à Budapest, où nous nous apprêtons à vivre le Grand Prix de Hongrie. Les équipes préparent leur voiture pour la séance d'essai. L'action ne devrait pas tarder à débuter. C'est l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec le circuit, de s'habituer à leur monoplace et d'anticiper toutes les difficultés que les équipes risquent de rencontrer sur la piste. Nicolas Martin, quel est l'objectif des pilotes pendant cette séance ? Et encore une fois, une petite introduction qui bug, ça en a l'habitude. On se retrouve donc en première séance d'essai. On va tester donc cette nouvelle amélioration. Alors, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste le moteur. Un petit upgrade en termes de puissance. Alors que là, dès le premier tour, j'avais un problème de DRS. Il est resté ouvert. Bon, c'est pas la meilleure façon de commencer le week-end. Mais là, ce qu'il va vraiment falloir surveiller ce week-end, ça va être les Red Bull qui sont sortis de nulle part vraiment. Pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix d'Allemagne, allez le voir. Il est dispo, il est sorti vendredi. En Allemagne, elles étaient éliminées en Q1 les deux. Elles étaient nulle part. Alors, certes, Ricciardo est remonté 4ème, si je dis pas de bêtises. 4ème ou 3ème, je sais plus. Il est remonté assez bien en partant très très loin. Mais bon, le rythme n'était pas vraiment présent. Et là, ils sont sortis de nulle part. Donc ça me rassure moi aussi de mon côté. Parce que je me dis que si je veux, avec les bonus que j'ai sur mon contrat, je crois que c'est niveau 3 mes bonus de points de ressources. Je me dis que à tout moment, je peux créer vraiment une voiture surpuissante. Donc pour la fin de saison, je me fais pas trop de soucis. Je le rappelle, mon objectif, c'est de gagner le titre avec McLaren cette saison. Et si j'y arrive, après, on verra pour la prochaine saison. Est-ce que je bouge ou non? J'ai pas encore décidé. Vous pouvez voir que j'ai repris le 3ème bloc moteur. Je pense que je devrais encore une fois cette saison partir dernier à un Grand Prix au moins pour récupérer un bloc neuf, parce que là il me reste un bloc neuf et le troisième commence un petit peu à être usé. Enfin, il n'est pas vraiment fatigué, mais je l'ai utilisé quelques fois, donc il est plus vraiment tout neuf. Je verrai, c'est pas pour l'instant. De toute façon, je pense que je prendrai un Grand Prix comme les États-Unis ou quelque chose comme ça assez tard dans la saison afin de pas avoir problème. On va partir du coup en qualification. La voiture était pas trop mal, vous l'avez vu, j'ai réussi quasiment tous les programmes en violet. Il me semble qu'il y en a un ou deux que j'ai pas fait en violet justement. On va avoir de la pluie en course, mais pour la qualif, ça va rester sec et on part tout de suite en qualification. La tension monte ici sur le Hungaroring, où les feux ne vont pas tarder à passer au vert pour la séance de qualification. Les voitures devraient prendre la piste à tout moment. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Et on se retrouve en première séance de qualification en Hongrie avec des pneus ultra soft. Attention, il est plus tendre. Dans le deuxième secteur, on est un petit peu au large et on arrive dans ce virage que je déteste vraiment sur ce circuit. C'est vraiment mon pire virage justement. On va aller un petit peu au large encore une fois. Ça fait deux erreurs dans le deuxième secteur. Et pourtant, le deuxième secteur, c'est là où je vais le plus vite. Hein, vraiment, avec la McLaren, c'est là où je suis le plus performant. Normalement, si je fais pas ce genre de petite erreur, ça devrait gagner un peu de temps. Et on va arriver à la fin du deuxième secteur. Et bien justement, on est en avance sur Carlos Sainz malgré les deux erreurs que j'ai fait. Donc pour vous dire qu'on est vraiment très rapide. Et on va arriver dans le troisième secteur. Si je fais pas d'erreur, normalement je peux garder à peu près le même rythme. Je suis pas forcément le plus rapide ici, mais on verra bien ce que ça donne. Attention, petite correction. On va arriver dans le dernier virage. Ricardo qui améliore en 1.15.9 pour l'instant. Les moteurs Renault en pleine forme. Et nous, on va activer le DRS. On va arriver sur la ligne. Ça va être 1.15.8 devant Ricardo et Carlos Sainz malgré les erreurs et les éliminer. On a Raikkonen et Bottas, les deux Mercedes. Alors non, pardon, la Mercedes et la Ferrari éliminés. Les deux Finlandais déjà, Hartley, Stroll et Sirotkin aussi. Mais du coup, ils ont tenté les pneus soft exactement comme les Red Bull en Allemagne. Et une nouvelle fois, vu qu'il n'y a pas de pneus intermédiaires, il n'y a pas les super soft entre les ultra et les soft,
Et bah le Delta autant autour en fait tout simplement il est trop grand et du coup ça les fait encore une fois éliminer. Donc du coup on gagne deux positions. On peut passer maintenant en Q3 et essayer d'aller chercher une cinquième position. Et on arrive à la fin du premier secteur avec 3 dixièmes de retard. Attention, on va pas partir à la faute, le contact, on a touché le mur. Et roue cassée, abandon, on a tapé au Q2. Aïe aïe aïe, et du coup on va partir avec eux justement, le karma directement. On va partir avec Raikkonen et Bottas sur le vibreur, la grosse erreur. Alors c'est une erreur de débutant forcément, mais là sur le vibreur j'ai peut-être un petit peu trop touché le vibreur à gauche et à l'intérieur. Et ça se joue à pas grand chose, la correction sur le vibreur après la voiture qui est déséquilibrée. Et du coup on va partir dernier, enfin on va partir dernier en Q2. Ce sera 15ème, mon premier abandon si je dis pas de bêtises en qualification. J'avais déjà fait quelques erreurs mais j'avais jamais abandonné. Et on va voir le classement, et du coup 0 chrono, on a même pas le temps de faire un seul tour. 15ème, les éliminés, on a Romain, Magnussen, Pierre, Marcus Ericsson et donc moi. Et en Q3 on aura donc Charles qui repasse une nouvelle fois, Ricardo en pneus soft. Donc Ricardo lui partira avec des pneus avant jaune en plus, donc là ça va être compliqué en plus pour revenir sur ce circuit. Ça va être la galère aujourd'hui, on n'est pas vraiment avantagé à comparer. Et je vous le disais en Allemagne, c'est exactement ce que je disais. Cette saison c'est vraiment les montagnes russes, c'est-à-dire que dès que je fais un bon résultat, directement le Grand Prix d'après, il m'arrive quelque chose, j'ai soit un accident, soit un problème ou quoi que ce soit. Donc là ça commence à... Bah, ça voudrait dire peut-être qu'au prochain Grand Prix, qui sera en Belgique, j'aurai une bonne course. C'est pas vraiment la place qu'on visait sur la grille, mais courage, c'est quand même pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que sur un circuit comme ça, c'est toujours chiant de partir aussi loin. Donc bon, on va voir ce que ça donne et on part pour le Grand Prix d'Hongrie. Nous avons toujours connu des grands prix exceptionnels ici. Les rebondissements de l'édition 2015 en sont un bon exemple. Citons aussi la première victoire de Jenson Button sur une piste détrempée en 2006 ou la déception de Damon Hill en 1997, passé si proche de la seule victoire que n'aurait jamais pu décrocher sa petite écurie à Rose. C'est un endroit fantastique pour la course d'aujourd'hui. À 19 km au nord-est de la capitale hongroise Budapest, le Hungaroring et ses 14 virages sont un lieu d'histoire et de prestige. Les dépassements ont toujours été difficiles sur ce circuit technique de 4,3 km, mais nous avons eu le droit à des courses exceptionnelles ces dernières années. Espérons que ce sera encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Nicolas Martin. Bon, parlons un peu de Julien. Ils vont attaquer ce Grand Prix en queue de peloton, et quand vous bénéficiez d'une monoplace aussi rapide, il y a vraiment de quoi enrager. Ils vont l'avoir mauvaise quand ils se rendront compte que leur voiture n'a pas le même code postal que celui de la ligne de départ. Mais dans les points positifs, ils peuvent compter sur une voiture rapide pour remonter le peloton. Il est temps de voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Verstappen, Ricciardo, Nico Hülkenberg et Van Dorn, Sainz, Perez, Ocon et Charles Leclerc, Grosjean, Magnussen, Pierre Gasly et Ericsson, Julien, Raikkonen, Valtteri Bottas et Brendan Hartley, Stroll et pour finir, Sergei Sirotkin en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et on se retrouve encore une fois au fond de la grille, on est 15ème après Silverstone, et ben on y retourne aujourd'hui. Alors malheureusement c'est pas le meilleur circuit pour être assez loin sur la grille. Vous pouvez voir que là on a eu au moins un avantage en partant 15ème, c'est qu'on peut choisir les pneus, on peut partir en pneus soft alors que le top 10 va partir en ultra soft. Ricardo si je dis pas de bêtises. Donc là on a un léger avantage, surtout vu la météo qu'on va avoir. Après reste à voir comment ça va se passer pendant la course, parce que la météo dit que la pluie arrivera à partir de la mi-course. Maintenant emmener des pneus soft jusqu'à la mi-course, ça reste quand même assez compliqué. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir à partir de quand la pluie arrive. Si on n'arrive pas à emmener ces pneus soft jusqu'à la mi-course, et bah tant pis, il faudra faire un arrêt avant. Devant en plus on a les leaders en tête de peloton. Tout simplement on a Vettel suivi d'Hamilton. Alors je crois que la qualification était assez basique et je me demande s'il n'y a pas plus, parce que les temps de Q3 sont 4 secondes plus lents que les temps effectués en Q1 et Q2. Donc je sais pas trop, mais on a du coup Vettel, Hamilton, on a les deux Red Bull suivis McLaren slash Renault. Donc il y a Van Damme qui s'est mis entre les deux Renault, et on retrouve Charles et le reste de la compagnie avec les Force India. Attention, en plus on fait une petite erreur dans le tour de formation, et voilà la petite erreur en chauffant les pneus. Bravo à moi, Raikkonen qui va passer. On va essayer de récupérer la position pour pas être gêné sur la grille.
Est-ce que Raikkonen... Non, Raikkonen ne va pas du tout nous laisser passer, donc on va attendre un petit peu. Et donc je disais, on avait donc une grille assez basique. Donc normalement, s'il n'y a pas de problème pour les Ferrari, enfin pour la Ferrari et la Mercedes d'Hamilton, ça devrait partir assez vite devant. Après, reste à voir aussi, c'est Raikkonen et Bottas. Raikkonen et Bottas qui partent derrière. Ça va être intéressant de voir la remontée. On part sur les mêmes types de pneus qu'eux. On part en pneus soft. On va voir si eux aussi décident d'aller le plus loin possible. Ou alors au contraire, ils tentent un undercut et ils s'arrêtent un petit peu plus tôt. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui, j'ai l'impression. On part d'assez loin, on est trois top teams à partir très très loin aujourd'hui. On s'installe sur la grille et on se retrouve dès l'extinction des feux. Et c'est parti, c'est un départ difficile devant Gasly qui a pas fait un très très bon départ non plus. Eriksson qui va récupérer directement l'aspiration et ça va passer. Et nous on va tenter de se décaler, on va protéger l'intérieur et les deux Finlandais qui vont passer. Bottas et Raikkonen à l'intérieur, Raikkonen qui va plonger même. Attention, le contact, il y a eu un bout d'aileron. On a vu un bout d'aileron passer et nous on s'est loupé. Attention, on va devoir aller au large, on s'est un petit peu loupé et on va perdre deux positions. Bottas et Raikkonen qui vont passer. On tombe 17ème désormais, on se retrouve devant la Williams de Sirotkin. Et attention devant, ça bloque un petit peu les roues. Et par l'extérieur, on tente de trouver une ouverture. Malheureusement, il n'y a pas grand chose. Grosjean est côte à côte avec Raikkonen, alors que là, on a la Williams qui tente de faire l'extérieur. Et Bottas devant qui va passer sur Pierre Gasly. À mon avis, Bottas qui va devoir passer. Attention à la Toro Rosso quand même par l'extérieur. On peut peut-être passer. On va pouvoir en profiter côte à côte avec Pierre. Et on va se retrouver à l'intérieur. On va devoir faire un petit peu le forcing. Et ça va passer. On récupère la 16ème position. Alors que devant, Raikkonen va passer sur Romain. À moins que par l'extérieur, Romain tente de repasser. Non, Romain qui se laisse passer. Et du coup, Raikkonen qui passe 13ème. Et on va tenter de suivre pour l'instant. Raikkonen, c'est celui qui a fait le meilleur départ. Si je dis pas de bêtises, c'est celui qui partait le plus loin. Et maintenant, il se retrouve 13ème. Alors là, on n'a pas fait un très très bon départ. Attention, le gros travers. Faut pas se louper. Les vibreurs en Hongrie sont vraiment infernales. Si tu touches un vibreur un petit peu trop haut. Et attention, une nouvelle fois, on est un petit peu large. Il va vraiment falloir se méfier. Alors que derrière, Pierre Gasly s'est totalement loupé, j'ai l'impression. Gasly, il a perdu beaucoup de rythme dans le deuxième secteur. Et on va revenir sur Bottas. Alors là, il va falloir profiter de l'aspiration. Il n'y a pas encore le DRS au premier tour. Il va falloir attendre, essayer de rester à moins d'une seconde. Parce que je vous l'ai dit, ici pour dépasser, ça va être très très difficile. On va faire ce qu'on peut. Et on va tenter de prendre une trajectoire un petit peu différente. Essayer d'avoir plus de vitesse de pointe. Essayer de prendre l'aspiration. Ah bah alors là, la vitesse de pointe. Walou. On s'est fait distancer par Bottas en ligne droite. Alors là, le problème de traînée que j'ai sur la voiture, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais il faut que je développe absolument la traînée. J'ai toujours pas travaillé sur la traînée de la McLaren. Et là, ça se voit vraiment parce qu'en ligne droite, je me suis fait déposer par Bottas alors qu'on revoit le départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Devant, il n'y a pas eu de drapeau jaune ou quoi que ce soit. Alors, on va surveiller. Il y a eu un petit contact. J'ai vu un bout d'aileron passer devant ma voiture. Donc, je sais pas s'il était à Raikkonen ou quoi. On va vite le voir. C'était peut-être à Pierre Gasly qui a eu une perte de rythme. Derrière, on a la Renault, pardon, devant. On a la Renault qui tente l'extérieur. C'est Hülkenberg sur Ricciardo. Ricciardo qui était le seul à partir en soft. Et à mon avis, ça va lui coûter cher. Hülkenberg qui va passer. Bottas Verstappen qui récupère la troisième position. Et à l'intérieur, Hülkenberg qui va passer. Et Ricciardo qui tombe cinquième. Ricciardo qui partait quatrième. En plus, on revoit le départ de la onboard de Stoffel Vandamme qui partait sixième. Et il a fait un très 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 bon départ là, Hülkenberg. Je sais pas s'il a fait, mais très très bon temps de réaction. Attention, Vandamme qui va être juste derrière. Est-ce qu'il a peut-être pu en profiter? J'ai pas l'impression. Il y a eu un petit contact entre la Red Bull et la Renault. Et Vandamme gentiment qui défend sa position à l'aspiration. Il a rien pu faire. Et devant, il y a Verstappen qui a tenté d'attaquer Lewis Hamilton. Le blocage de roue. Attention, Vandamme qui s'est un petit peu loupé. Et on revoit le départ de Raikkonen avec le mien en comparaison. Et Raikkonen qui a été très très agressif sur son départ. Donc on va revoir, il partait pas, pardon, j'ai dit qu'il partait le plus loin, c'était Bottas le plus loin parmi nous trois. Mais Raikkonen qui s'est quand même bien débrouillé. Bottas à l'intérieur qui est tenté de passer entre nous deux. Je me suis retrouvé un petit peu bloqué. Raikkonen, et c'est pas Raikkonen qui a son aileron, hein. C'est pas Raikkonen, donc ça vient, c'est peut-être Pierre Gasly vu qu'il a eu une perte de rythme. Moi je suis parti un petit peu large après à gauche. Et on l'a vu, Raikkonen il est passé sur Romain Grosjean un petit peu plus tard dans le tour. Et on se retrouve nous au deuxième tour. On est toujours derrière Valtteri Bottas pour l'instant. Et j'arrive pas à passer malheureusement. J'ai beau être plus rapide dans les virages, regardez, on va tenter par l'extérieur une nouvelle fois dans le dernier virage. Et ça va peut-être le faire à l'accélération. Oui, on va passer. On prend la 15ème position. Mais regardez, en ligne droite, il n'y a absolument rien à faire. On peut rien faire aujourd'hui contre Bottas. Alors déjà, si on peut pas doubler dans les virages, si on peut pas doubler dans le deuxième secteur, si en plus dans les lignes droites je me fais bouffer, là la course elle va être très très longue. Et Valtteri Bottas qui repasse 15ème, on retombe 16ème malheureusement. Il va falloir attendre. Au troisième tour, on vient d'activer le DRS. Donc normalement, on devrait être un petit peu plus rapide en vitesse de pointe. Et on se retrouve au troisième tour et ça bloque un petit peu devant Raikkonen qui a l'air de buter sur quelqu'un. Et c'est la sauveur de Marcus Ericsson. Ericsson qui défend pour l'instant. Alors ça devrait pas durer longtemps. Ericsson qui devrait sauter. En plus, il va pas avoir le DRS sur la Force India si je dis pas. Non, c'est une As, pardon. C'est Magnussen. Raikkonen va passer sans problème à mon avis. Ça devrait le faire et Raikkonen va pouvoir se battre pour des points. Nous on n'y est pas encore malheureusement, on est assez loin. DRS activé pour Raikkonen. Et ça va le faire pour le Finlandais à mon avis.
décalage malgré le fait que la Sauber s'améliore. Hein. De course en course, ça devient vraiment une bonne voiture. Ça ne le fait pas encore comparé à une Ferrari. Et ça passe pour Raikkonen et ça bloque un petit peu. On va tenter par l'extérieur. Attention, on va peut-être passer sur Bottas et sur Grosjean. Par l'extérieur, ça va peut-être le faire. Ah, ça va être compliqué sur Romain. Mais par contre, on va passer sur Valtteri. Attention, Bottas qui va revenir en vitesse de pointe. On va faire le forcing à l'intérieur. Et on va tenter de l'emmener au large. Attention à pas toucher la A. Si ça va passer, on passe 15ème. On l'a un petit peu tassé. Gasly qui en profite. Gasly qui est passé derrière aussi, il me semble. On va vérifier ça. Non, Valtteri qui est repassé directement. Et on prend la 15ème position. On l'a très très bien joué. Et maintenant, on va pouvoir attaquer Romain Grosjean. On va peut-être se décaler à l'intérieur. Attention à pas aller non plus percuter. Et là, c'est le moment. Raikkonen, faut pas le laisser s'envoler. Parce que sinon, Raikkonen va finir devant nous dans tous les cas. Faut vraiment qu'on arrive à le suivre. On est tous sur des pneus soft en plus pour l'instant. Oh, attention, il y a eu un petit contact avec la Haas. On est tous sur des pneus soft, donc on va pas s'arrêter. Personne devant va s'arrêter plutôt que l'autre. Nous, on se retrouve au 5ème tour, toujours derrière Romain Grosjean pour l'instant. J'arrive pas à trouver l'ouverture et Raikkonen commence à s'envoler. Malheureusement, ça devient très très compliqué. Et attention, voilà la petite erreur. Attention, et Bottas qui va en profiter directement. Bottas à l'intérieur, ça va être compliqué. Attention, on va lui laisser de la place. On va devoir couper le virage. Et on va garder cette position là. Bottas il a pas été très très intelligent. Attention non plus à pas la perdre. Ça se complique vraiment là parce qu'on a la menace de Valtteri Bottas derrière. Et devant on est un petit peu bloqué par Ericsson en fait. C'est Grosjean ne passe pas sur Ericsson de base. Ce qui fait que j'arrive pas à passer sur Grosjean. Et devant Raikkonen s'est totalement envolé. Regardez Raikkonen il est très très loin maintenant. On a perdu beaucoup de temps. Et au 5ème tour il va falloir essayer de passer maintenant. Est-ce que ça va le faire? On va avoir le DRS. Ericsson ne devrait pas avoir le DRS. Et ça rentre au stand devant mon coéquipier Stoffel qui rentre au stand déjà. Donc il y a quelques pilotes qui vont s'arrêter. Et on va pouvoir en profiter, on va voir le DRS. Est-ce que ça va le faire? On va tenter une nouvelle fois dans ce dernier virage par l'extérieur. Et ça va être compliqué, on va récupérer l'aspiration. Sur la Haas, DRS activé. Et ça va pas le faire, même sur la Haas, regardez. Même contre la Haas, il n'y a rien à faire en ligne droite aujourd'hui. On pourra pas, et ça va se décaler devant Ericsson qui va se faire attaquer, il va protéger l'intérieur. Grosjean par l'extérieur, est-ce que ça peut le faire? J'ai pas l'impression, Ericsson qui défend très très bien pour l'instant. Et ça va devenir un casse-tête là pour Grosjean, pour moi ou pour Bottas. Si on n'arrive pas à passer parce que Ericsson en plus c'est la porte des points, il est 10ème pour l'instant. Donc il faudrait vraiment qu'on double et par l'extérieur toujours pas. Hein. C'est difficile en Hongrie vraiment. Je vous disais c'est le pire circuit pour avoir un accident en qualification. Et Romain Grosjean qui va tenter de défendre l'intérieur peut-être par l'extérieur. Attention le blocage de roue de Romain. Est-ce que ça va le faire? Et non, on va perdre du temps, on peut pas passer. Ça commence à se compliquer. Bottas qui va revenir. Bottas qui va pouvoir attaquer en plus. Et attention le petit blocage de roue, faut pas trop taper dans les pneus non plus. Faut pas oublier notre objectif. Enfin, il se joue pas maintenant. Hein. Notre course elle va se jouer plus tard. Va falloir attendre la pluie. Et allez, on va avoir l'aspiration, on va avoir le DRS, on va falloir tenter de se défendre, mode chrono, avec le mélange riche, et rien à faire, rien à faire, on peut pas suivre la Haas vraiment, et ça va revenir par contre pour Bottas, on va tenter de se décaler, on va se battre contre Valtteri Bottas à l'intérieur, on va tenter de résister par l'extérieur, attention, ça va être compliqué, par l'extérieur sur le Finlandais, un petit peu en glisse, est-ce que ça va le faire? Oui, on repasse sur la Mercedes, bonne nouvelle, on n'a pas perdu de position, et devant Grosjean qui n'est toujours pas passé. Ah, ça commence, les tours s'enchaînent, et malheureusement ça ne bouge pas trop, on est passé 10ème parce que pas mal de gens s'arrêtent maintenant, au 7ème tour. Et là ça devient difficile, faut surveiller en plus le RS parce que si, alors si j'ai le malheur de ne pas avoir assez de batterie sur la ligne droite, c'est terminé pour moi, vraiment, attention, on est un petit peu large, si je fais pas attention à ma batterie, ça va être finito pour moi. Et on revient sur Ericsson toujours, Ericsson pour l'instant il fait une très très bonne course, hein. Très très propre, il arrive bien à se défendre. Et regardez sur la minimap devant Raikkonen, c'est plus qu'envolé là, mais il y a facilement 3 virages d'avance maintenant. Ça devient ridicule le temps qu'on perd derrière Grosjean et Ericsson. On devrait pas être là. Et regardez en tête, c'est Sébastien Vettel. Vettel toujours en tête qui va rentrer au stand. Il rentre au stand. Il n'est pas suivi par contre de la Mercedes d'Hamilton. Et il y a une Red Bull qui va continuer. Vettel qui est le premier des leaders à s'arrêter. Tout le monde continue d'ailleurs. Les deux Red Bull aussi. Donc ça, c'est le premier des leaders à s'arrêter. Et on va voir la stratégie qu'il va prendre. Du coup, il n'aura pas attendu la pluie. Ça va être des pneus. Alors je vois pas, il y a les mécanos devant. C'est les pneus à bande violette, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est les pneus ultra soft. Il y avait les mécanos devant. Et ça voudrait dire que Vettel va être agressif du coup jusqu'à la pluie. Et on va arriver sur la ligne. On va peut-être ressortir devant Sébastien Vettel. Ce serait une bonne nouvelle. Et oui, on va ressortir côte à côte avec Vettel. On va ressortir devant. Ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que lui aussi, maintenant, il doit s'arrêter. Attention, on va peut-être revenir côte à côte. Et Bottas par l'extérieur. Attention, Bottas et Vettel côte à côte. Ça va être compliqué pour Bottas. Et Vettel qui va passer avec ses pneus ultra soft. Ses pneus frais, ça va passer pour la Ferrari. Attention par l'extérieur quand même. Bottas toujours à l'intérieur. Et Bottas qui fait le forcing, mais Vettel va passer normalement. Vettel à l'intérieur va passer. Et là c'est compliqué maintenant pour Valtteri Bottas. Il va falloir tenter de suivre. Bottas il est en pneu soft usé comme moi hein, bien sûr. Mais Bottas il va être derrière maintenant. On est devant Vettel. Et en plus la pluie commence à tomber. Regardez, il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Et on est seulement au 8ème tour, on n'est pas encore à la mi-course. Donc là ça va devenir intéressant. Et on ne passe toujours pas sur... Non mais c'est un cauchemar là pour l'instant. Vraiment, j'ai fait 8 tours bloqués derrière une Haas et une Sauber. Incroyable, avec le rythme que j'ai dans la McLaren là, de me dire que je suis bloqué derrière une Sauber et une Haas, c'est assez pitoyable. Et devant ça rentre au stand, les nouveaux leaders c'est Hamilton et Verstappen si je dis pas de bêtises.
Hamilton et Verstappen. Et oui, Ricciardo continue. Ricciardo lui partit en pneu soft. Attention, Ricciardo, il a une très très bonne stratégie aujourd'hui. Va falloir surveiller Ricciardo. Ça s'arrête. Et les pneus médiums. Des pneus médiums chez Verstappen et en plus Hamilton. Alors qu'il va pleuvoir dans quelques minutes. Regardez, il y a des gouttes sur la piste déjà. Et par l'extérieur, on va tenter sur Romain Grosjean. Ça va pas le faire. Alors que notre ingénieur commence à nous parler du type de pneus. Et on va tenter à l'aspiration, ça va pas le faire. Et attention, la Ferrari qui va se décaler, Sébastien Vettel. Ça va être compliqué, attention, Lewis Hamilton. Hamilton qui sortait des stands, très dangereux. Vettel qui va passer par l'extérieur, on va tenter de résister. Ça va être difficile, Vettel qui est mieux placé. DRS activé, et il commence à pleuvoir. Oh, c'était chaud avec Lewis Hamilton. Oh mon dieu, que c'était tendu. Et Vettel qui attaque Romain Grosjean au même moment. Attention, l'Allemand à l'intérieur, Grosjean qui bloque les roues. Ça va passer pour la Ferrari, et le contact. On s'est touché avec Romain, attention. Ça commence à se compliquer, et au moins on est passé sur la Haas. Vettel qui a fait un petit peu le travail de bulldozer. Et attention, derrière ça commence à se décaler. Les Mercedes qui attaquent aussi. Les Mercedes par l'extérieur, Bottas. Attention, le contact. Ça s'est touché. Hamilton qui a percuté Romain Grosjean. Et il me semble qu'il y a eu un bout de carbone. Et ça va être compliqué. Hamilton qui sort des stands en plus. On va revoir ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton. Et attention, devant, ça tire tout droit. Ericsson qui s'est loupé. Et il va gêner Vettel. On va pouvoir en profiter. Ça va passer. On repasse à l'intérieur. Attention, Vettel à l'extérieur. On récupère la 5ème position. Alors là, ça commence à devenir excitant. Au 9ème tour, attention à la pluie là. La pluie qui commence à jouer un petit peu. Et Ericsson, il va falloir qu'il se décale au bout d'un moment parce que là il est plus du tout dans le rythme et il va gêner tout le monde. Maintenant on a les Ferrari, on a les Mercedes derrière, donc ça va être compliqué. Et il pleut de plus en plus aussi, il va falloir faire attention hein. L'erreur va arriver très très facilement. Et là j'ai l'impression que ça va faire deux grands prix d'affilée, on va avoir la pluie. Et là ça va être très très intéressant encore une fois. On va voir ce que ça va donner, on devrait pouvoir passer sur Ericsson normalement. À moins qu'Ericsson non, ne rentre pas au stand. Et par l'extérieur, on l'a fait depuis le début de la course, on l'a fait plusieurs fois. Ça va sûrement passer, meilleure sortie de virage, DRS active. Attention, Ericsson qui ferme la porte. On va tenter de récupérer l'aspiration. Et attention à Vettel, DRS activé qui va revenir à notre hauteur. Ericsson qui va passer, pardon, Vettel qui va passer. Vettel qui passe sans problème. Et il va être gêné par Ericsson. Par contre, on va pouvoir repasser à l'intérieur. Attention à la Sauber qui va se louper. Ericsson qui s'est loupé. Et on va pouvoir passer. On va passer quatrième. Ericsson qui s'est totalement loupé. Il a gêné Vettel. Et ça va passer. Attention à Vettel maintenant qui va tenter par l'extérieur de passer. Ça va passer sur la Sauber. Il va tenter sur ma McLaren aussi. Ça va être compliqué. Et ça se complique pour Sébastien Vettel qui va faire le forcing. Ça va passer, il me semble, pour Vettel. Oui, Vettel est passé sur Ericsson. Alors là, ça va être difficile maintenant. Il va falloir tenter de résister à Sébastien Vettel. Et devant, regardez, Raikkonen, attention à la petite erreur sous la pluie. Attention, on peut partir à la faute. Et Vettel qui tente directement par l'extérieur. Il va falloir se méfier de l'Allemand. On n'est pas vraiment dans la même course, même si maintenant on est au même nombre d'arrêts. Hein. Vraiment, la prochaine fois que Sébastien Vettel va s'arrêter, ce sera pour les pneus intermédiaires, tout comme moi. Donc là, on est exactement dans la même course. Il n'y a aucune raison de le laisser passer. Et ça va devenir compliqué. Et il pleut de plus en plus, hein. Il n'y a pas encore les marques sur la voiture, mais on voit bien les gouttes tomber sur le circuit. Donc là, il va falloir se méfier et il va falloir aussi surveiller si les voitures de devant. Les voitures de devant, Raikkonen et Ricciardo aussi qui est devant. Je sais pas qui est le deuxième pour l'instant. Et Vettel, il est revenu. Regardez, Ericsson derrière qui bloque les Mercedes. Mais par contre, Vettel est passé. Et Vettel, il est bien derrière moi. Et ça va être très très difficile de résister, à mon avis, à la Ferrari. On va pas pouvoir faire grand chose. Attention, on est un petit peu large. On est même très très large et on va pas avoir le DRS. Donc là, ça va être impossible. Là, je peux vous le dire, ça va être impossible de résister à Sébastien Vettel. Une nouvelle fois, on est large. Regardez les différences. On a des trajectoires totalement différentes et ça va passer pour Vettel. Attention à pas se toucher. Vettel qui va passer quatrième. Il n'y a rien à faire. Hein. De toute façon, on n'a pas de DRS ou quoi. On peut juste subir pour l'instant. Il va falloir essayer de rester dans le rythme. Forcément, avec des pneus ultra soft, c'est pas le même rythme. Derrière, attention, Ericsson qui bloque un petit peu Valtteri Bottas. Et Ericsson qui ne se laisse pas faire. Ericsson qui ne lâche pas. Ericsson va repasser. Incroyable la course d'Ericsson pour l'instant. Mais Bottas, à mon avis, voilà, à l'intérieur qui va récupérer sa position. Et là, il va mettre fin à ses souffrances. Il va prendre du coup la 6ème place. Ouais. Bottas qui passe 6ème. On est 5ème pour l'instant. Et on va tenter de suivre Sébastien Vettel. Même si ça va être compliqué, on n'a pas du tout les mêmes types de pneus. Attention, une nouvelle fois, on est très large. Et avertissement, on allait un petit peu trop large. Alors, on revoit ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de choses. Déjà, la sortie des stands. Hamilton, Vettel et moi, comment il n'y a pas eu d'accident? What? Mais Vettel arrive clairement, c'est pas possible, il n'y a même pas la place pour mettre une feuille de papier. On va revoir ça, mais c'est pas possible. Donc Vettel à gauche qui était sur la piste, Hamilton qui sortait des stands. Vettel qui en plus était en train de voir ma belle bataille avec Romain, si je dis pas de bêtises. Bah, c'était Romain, je tente l'extérieur, ça ne passe pas. Vettel qui a essayé de me suivre, il perd un petit peu l'arrière. Il récupère l'aspiration, je tente de me défendre et de le serrer un peu à l'intérieur. Je savais pas qu'il y avait Hamilton qui sortait des stands et regardez. What the fuck, mais comment il n'y a pas d'accrochage, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a limite, il n'y a pas la place. C'est obligé qu'il y ait un contact. On va revoir, regardez bien sur l'écran à droite, ça va aller très très rapide. Mais Hamilton, c'est obligé qu'il y ait un contact. Ah mais d'accord, Vettel en fait qui passe à travers la roue. Bon très bien, il passe à travers la roue d'Hamilton. Et on revoit ce qui s'est passé quelques secondes après. C'est l'accrochage avec Romain, du coup aileron cassé pour Hamilton hein. Aileron cassé pour la Mercedes. Et ça c'était quelques secondes avant l'accrochage avec Hamilton. Romain qui me tourne mais totalement dessus. Je suis à l'intérieur, je peux pas non plus disparaître hein. Du moment où je suis à l'intérieur, il me tourne dessus, là je pouvais pas faire grand chose. Donc ça fait pas mal d'incidents hein, l'espace de quelques tours. Et ça fait pas mal de caisses du coup. Et on se retrouve au 12ème tour, attention on glisse un petit peu. Ça commence à être compliqué, il y a de plus en plus de pluie. Alors pour l'instant il n'y a pas encore d'eau sur ma voiture. C'est assez marrant, c'est que j'ai pas les gouttes sur ma voiture.
Oh, attention, on a failli perdre l'arrière. Alors, il va pleuvoir dans 10 minutes. Ça va pas tarder, ça devrait tomber d'ici quelques secondes. On va quand même se méfier avec les pneus parce qu'on sait que le jeu bug un petit peu. Avec ces conditions. Mais si on s'arrête maintenant pour mettre des gommes intermédiaires, tu seras trop lent et tu vas les faire fondre. Attention. Et ouais, le problème c'est que peut-être qu'on est trop lent, mais là on est vraiment en difficulté avec ces pneus soft. Et là, il faudrait peut-être tenter un pari parce que regardez, les pneus sont totalement morts. Donc limite, en rentrant un tour trop tôt, on risque pas tant que ça. Parce que là, ça devient vraiment compliqué. Regardez le volant, je suis obligé de mettre une correction à quasiment chaque virage. Et attention, on va aller au large une nouvelle fois. Et on va peut-être tenter, c'est le moment, hein, au deuxième tour, c'est peut-être le moment de tenter quelque chose. Parce que là, de toute façon, mes pneus sont totalement morts. J'ai fait 12 tours, c'est pas la mi-course, mais on s'en est bien rapproché quand même. Et là, c'est peut-être le moment, parce que là, regardez comment il pleut. Ça devient très très compliqué, la piste n'est pas encore totalement humide. Mais là, oh, attention, ça glisse un petit peu. Et attention à l'entrée des stands, elle est très compliquée sur circuit. Il va pas falloir se louper, attention. Bon, alors c'est lent certes, mais au moins on... c'est lent, mais on rentre tranquillement, on prend pas de risque. Et on va rentrer, on va tenter du coup. C'est un coup de poker, hein, on tente vraiment. Ça pourrait marcher, ça pourrait ne pas marcher aussi. Donc on va vite le voir de toute façon. Si on rentre 2-3 tours trop tôt, bah c'est clair qu'on va détruire les pneus et on va perdre beaucoup de temps. On va voir, de toute façon mes pneus étaient morts, vous l'avez vu dans le tour de rentrée, hein. Clairement j'étais en travers dans tous les virages. Allez, pneus intermédiaires, on va pas être gêné, de toute façon il n'y a personne dans les stands. Et on va repartir, bah, malheureusement dernier, on va repartir très très loin. Et Lewis Hamilton qui rentre au stand, regardez, Hamilton qui chausse les pneus intermédiaires lui aussi. Changement d'aileron en plus pour la Mercedes, et regardez, Hamilton qui repart en intermédiaire alors que Ocon abandonne. Abandon de Esteban Ocon, casse moteur, problème mécanique en tout cas, il y a de la fumée. Et du coup Lewis Hamilton qui a fait comme moi, on va être deux pilotes en pneus intermédiaires pour l'instant au 13ème tour. Et on va voir ce que ça va donner. On va vite le voir, de toute façon si dans le deuxième secteur je suis en travers dans tous les virages, c'est que c'était trop tôt. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Et on va voir là où je suis parti à la faute en qualification. Est-ce que je pars à la faute ou pas, ça va être un vrai juge là clairement. On va vite le voir, pour l'instant ça a l'air de tenir. On est à 5 secondes de Stoffel et ça va, un léger travers mais pour l'instant ça va. Les pneus intermédiaires tiennent bien et regardez Ricciardo, Ricciardo qui rentre au stand de 13ème tour. Incroyable, la stratégie de Red Bull, très très bien jouée. Parti en pneu soft, il a récupéré la tête du Grand Prix. Regardez s'il s'arrête pour les pneus intermédiaires, il ressortira en tête du Grand Prix. C'est très très bien joué de sa part là. On va voir les pneus, est-ce qu'ils font une erreur ou non. Et ça voudrait dire qu'on a fait la bonne stratégie. Et oui, pneu intermédiaire pour Ricciardo, ça veut dire qu'on a fait la bonne stratégie. Nous aussi, très très bonne idée. Et regardez en plus ça rentre pour Kimi Raikkonen. Tous ceux qui sont partis en pneu soft, alors qu'on voit la voiture d'Esteban Ocon au fond. Tous ceux qui sont partis en pneu soft là clairement, ça va être clairement une bonne idée. Alors on va voir, il y a Romain Grosjean qui rentre au stand derrière. Non j'ai pas vu, il y a une As je crois. Pneu intermédiaire pour Kimi Raikkonen, non c'est Kevin Magnussen pardon. Magnussen pour l'instant il était 3ème. Incroyable pour l'instant Kevin Magnussen qui est 3ème. Et tout le monde passe des pneus intermédiaires. Regardez ça rentre, tout le monde rentre au stand maintenant. On est rentré pile poil au bon moment, au tour où il fallait. Et on va gagner beaucoup de temps normalement. DRS désactivé alors qu'on va passer sur la ligne. Regardez tout le monde qui est dans les stands. On va prendre un maximum de positions. On va ressortir 4ème, 5ème. On va ressortir juste derrière Kevin Magnussen. Et regardez on va venir à sa hauteur à l'extérieur au premier virage. Ça va être compliqué, on va tenter de décroiser. Est-ce que ça va le faire? Et oui, à la réaccélération on va passer et on récupère la 4ème position. Attention à pas partir à la faute. Et on récupère la 4ème position maintenant. Incroyable l'undercut qu'on vient de faire. On se retrouve 4ème désormais. Ah, attention le petit travers. Faut quand même se méfier parce que là il n'y a pas trop d'eau non plus hein, pour l'instant. La piste est encore sèche. Avec les pneus intermédiaires on peut vite partir à la faute. Et on se retrouve au 20ème tour, 6 tours plus tard. On est passé 3ème car le Sainz s'est rentré au centre. Il n'était pas encore rentré donc pour l'instant on est en position de podium. Et comme vous pouvez le voir la piste est quasiment inondée. La pluie s'est bien amplifiée. On va nous proposer une nouvelle stratégie. On va entamer le 21ème tour. C'est passer les pneus wet. Passer des pneus wet donc au prochain tour. Pour l'instant, on va continuer avec ces pneus intermédiaires. Et là, il va falloir surveiller du coup. Parce que si l'IA nous propose de faire ça, ça veut dire que certains vont tenter. Moi, mes pneus intermédiaires vont bien. Donc, j'ai pas vraiment de raison ou de besoin, entre guillemets, de m'arrêter. Donc, pour l'instant, ça devrait le faire au 21ème tour. On va quand même surveiller. Parce que là, c'est vrai que la pluie commence vraiment à s'intensifier. Donc, il va falloir se méfier. Mais là, si les IA, ça veut dire que si l'IA me propose de faire ça, ça veut dire que l'IA va le faire. Donc, ils vont rentrer au stand, passer des pneus wet. Et là, il y a moyen. Si on arrive à rester en pneu intermédiaire, alors qu'on nous propose une nouvelle stratégie, il y a moyen, si on arrive à rester sur la piste avec ces pneus intermédiaires, de gagner la course. Et on nous repropose encore les pneus wet. Et regardez, il y a du monde dans les stands. Donc, à mon avis, tous les IA vont passer les pneus wet. Et là, si j'arrive à rester sur la piste avec ces pneus intermédiaires, et regardez, Ricciardo directement, le leader de la course qui va rentrer au stand. Attention, on va falloir surveiller parce que là, il y a un gros coup à jouer. Aujourd'hui, si on peut remporter le Grand Prix d'Hongrie, ce sera en restant sur la piste avec des pneus intermédiaires. On va voir. Peut-être qu'il rentre pour les pneus intermédiaires. Ricciardo aussi, on va pas s'emballer tout de suite. Alors, Ricciardo qui rentre. Et ils étaient pas prêts, ils étaient pas prêts chez Red Bull. Ils l'attendaient pas et c'est des pneus wet pour Ricciardo. Pareil pour Raikkonen. Raikkonen qui rentre chez Ferrari, c'était prêt par contre. Pneus wet pour Raikkonen. Et on voit à gauche, enfin à droite du circuit. Je vais passer en tête normalement du Grand Prix. Je vais passer devant Ricciardo. Et Ricciardo qui ressort. Oui, on ressort devant Ricciardo. Ricciardo qui passe deuxième avec des pneus wet. Et maintenant, il va falloir surveiller. C'est limite, mais à ta place, je viendrai changer les pneus maintenant. Je
je ne pense pas que les pneus actuels soient encore adaptés. Alors là, j'ai la décision dans les mains. Clairement, il va falloir que je décide. C'est moi comment je le sens. Est-ce que j'arrive à rester sur la piste avec ces pneus intermédiaires? Clairement, la situation n'est plus propice. Hein. Vraiment, les pneus intermédiaires, c'est plus du tout les bons pneus. Et il va falloir essayer de tenir. Attention, le travers sur le vibreur. Et attention à ne pas partir à la faute dans le deuxième secteur. C'est compliqué, l'énorme travers. Alors qu'on est sous la pression d'une voiture, je sais pas qui c'est. C'est pas la Red Bull. Si on regarde la minimap, c'est Sirotkin. On a mis un tour à Sirotkin. Et Sirotkin qui va venir nous mettre la pression maintenant. Il va falloir résister. Pour l'instant, on se débrouille pas trop mal. On a 3 secondes d'avance sur Ricardo. Et attention à pas faire d'erreur parce que là, la piste est inondée clairement. Et attention, on va aller un petit peu au large. On va aller dans les flaques d'eau. C'est pas une bonne chose. Et ouais, les pneus Pirelli qui ont du mal à évacuer l'eau maintenant. Les pneus intermédiaires qui sont plus suffisants. Va falloir essayer de tenir. Je sais pas combien de tours ça va durer encore ce déluge, mais il faut essayer de tenir pour l'instant. On est en tête du Grand Prix. Et attention, dans le dernier virage, on le voit, hein, les corrections. Chaque virage, il y a une correction. Et attention à Sirotkin aussi. Sirotkin avec le QI qu'il a. Et voilà, il va tenter de nous attaquer. À l'intérieur, la Williams qui va plonger, on va perdre du temps. Attention à l'extérieur, ça va être compliqué. Et safety car, attention l'abandon peut-être. Ou alors il y a eu quelque chose. Non, il n'y a pas d'abandon, safety car quand même. Donc au 24e tour, il y a une safety car, je sais pas pourquoi. Mais on va avoir la voiture de sécurité, pardon. Donc on va surveiller et on va peut-être pouvoir en profiter. Du coup, on va pouvoir rentrer. On va surveiller, mais on va pouvoir rentrer sans problème. Regardez la pluie, là, c'est un déluge, c'est incroyable. Le déluge que je suis en train de me taper. On va rentrer au stand, c'est encore plus lent qu'au premier arrêt. Et regardez, on voit à peine ma voiture. Incroyable, alors là du coup Ricardo va repasser, Raikkonen va repasser. Normalement je devrais ressortir devant Magnussen, sachant que j'étais devant lui avant les arrêts de la Red Bull et de la Ferrari. On va surveiller quand même au 25e tour. Et du coup on va passer les pneus wet. Alors est-ce que ça va tenir? Allez, on n'est pas gêné normalement, ça repart. Et on va voir où on ressort, on voit même pas la sortie des stands. C'est incroyable, regardez, on voit même pas le premier virage, c'est incroyable. Là je suis en train de me prendre une pluie monime. Je vois même plus ma voiture. Bon, c'est pas mal, là vraiment le déluge, vraiment c'est... On apprécie, alors j'ai pas de mode, hein. Pour ceux qui se demandent, j'ai pas de mode, y a pas de mode plus forte ou quoi sur F1 2018, ou alors pas à ma connaissance encore. Donc là c'est clairement la pluie du jeu, et je crois que c'est la plus grosse pluie que j'ai jamais pris sur un jeu de Formule 1 vraiment. Et on a enfin rattrapé la safety car au 25e tour, il reste encore 10 tours. Et pour l'instant, Ricardo est en tête du Grand Prix, suivi de Raikkonen. On était tous les trois, alors non, Ricardo était parti dans le top 10, mais Raikkonen et moi, on était parti très très loin. Et apparemment il nous parlait d'une pluie fine, mais regardez, dès que je me mets derrière Raikkonen, je vois plus rien du tout. Là je me tape un déluge monstrueux, et c'est là où c'est dommage qu'il n'y ait pas de drapeau rouge, parce que vraiment là je pense que dans la vraie vie, il y aurait eu un drapeau rouge, j'aurais pas eu de safety car ou quoi. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de drapeau rouge sur ce jeu. Et on va tenter de chauffer les pneus, parce que là c'est vrai que pour chauffer les pneus avec ces conditions c'est assez compliqué. Et Magnussen pour l'instant qui est toujours quatrième, hein. Magnussen fait une très très bonne course jusqu'à maintenant. Il a bien résisté, et je sais pas ce qu'il a fait comme stratégie. Il était parti en pneus soft il me semble, mais il a fait une très très bonne course. Et devant Ricardo, bah, j'en parle même pas, hein. Le rythme des Red Bull c'est incroyable. Quand tu vois comparé à l'Allemagne, pour ceux qui ont vu le Grand Prix de l'Allemagne, on était loin de penser ça je pense aujourd'hui. Clairement les Red Bull qui étaient perdus, éliminés en Q1, en course c'était pas tip top vraiment. Et là être en tête du Grand Prix facilement, là c'est vrai que la safety car du coup elle ruine un petit peu la course de Ricardo, parce que Ricardo il était loin devant. Mais là vraiment les Red Bull c'est impressionnant. Je sais pas où est Verstappen par contre. Et la safety car va rentrer à la fin de ce tour. Et là ça va être très très drôle. La relance sous la pluie avec les pneus froids, je pense qu'on va bien rigoler. On est troisième pour l'instant. On nous rappelle qu'il faut pas doubler. Bon alors là pour doubler dans le dernier virage c'est compliqué. Par contre regardez sur la minimap, toutes les voitures sont pas regroupées. Donc là ça va être un beau bordel en termes de gap entre les voitures. On est les 5 premiers si je dis pas de bêtises, avec Hamilton ou Bottas, je sais pas c'est qui la Mercedes derrière Magnussen. Mais on est que les 5 premiers à être regroupés. Donc là ça réduit un petit peu les chances pour les autres. Et c'est reparti au 26e tour, Ricardo qui repart. Mais regardez ce déluge, incroyable, je vois pas la tribune au fond. Et c'est reparti, attention on est un petit peu large, faut surtout pas aller dans les flaques d'eau. C'est là où ça glisse le plus et il va falloir faire attention. On n'est pas très très bien positionné, ça va être compliqué. On va partir un petit peu en travers et on va pas pouvoir attaquer Kimi Raikkonen. Et attention à Magnussen, à l'aspiration, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, la vitesse de pointe. Magnussen qui va revenir et qui va tenter par l'extérieur. Attention, le Danois par l'extérieur au premier virage, attention à pas se toucher surtout. C'est pas le moment et c'est Bottas qui est juste derrière, il va tenter de l'attaquer peut-être. Bottas à l'aspiration, ça va pas le faire. Heureusement qu'il n'y a pas le DRS parce que sinon j'étais fichu. Et devant Raikkonen qui va en profiter pour s'envoler. Je pourrais pas l'attaquer. Et il reste encore 8 tours à faire. Ça va être tendu et à mon avis ça va être impossible d'aller chercher les voitures devant. On n'a pas le rythme vraiment et en vitesse de pointe c'est surtout ça le problème. On se retrouve à la fin du 27e tour, la pluie qui commence enfin à se calmer. Derrière Magnussen qui est un petit peu lâché, donc je pense que là le rythme non plus n'est pas présent. Et on va voir ce que ça donne au 28e tour. La pluie qui se calme de plus en plus. Attention, on est un petit peu large pour l'instant et on commence à revenir sur Raikkonen. Hein. On commence à revenir. Attention, le travers. On est en travers. On est en travers. En chanson, en travers. Mais on revient un petit peu sur Raikkonen. Ricardo qui est toujours devant. Il y a quoi, 2 secondes d'écart avec Raikkonen. Et l'énorme travers. Attention, on a dû couper le virage un petit peu. Et il n'est pas très bien ce plan. Et voiture de sécurité encore. Nouvelle voiture de sécurité au 30e tour.
D'accord, et ben on va avoir une safety car à 5 tours de l'arrivée. Alors là ça va relancer, là ça va être très intéressant parce que regardez, au 33ème tour, on va repartir pour seulement 2 tours. Et là ça va être très très intéressant, une nouvelle fois, Ricciardo qui va relancer la course. Et regardez sur la minimap, cette fois-ci, tout le monde est revenu, tout le monde a rafale. Alors sauf la Williams de Sirotkin, j'imagine, vu qu'il avait un tour de retard. Mais là tout le monde s'est resserré, donc là ça va être très intéressant. Ça va sûrement donner 2 derniers tours assez intéressants. Attention à la voiture qui rentre et Raikkonen qui freine forcément, va falloir surveiller. Et Ricciardo devant qui va relancer une dernière fois la course. Alors là il va rester 2 tours, le pauvre Ricciardo. Il était en tête, il avait fait une bonne stratégie, il avait un bon rythme. Et là 2 safety cars qui lui ruinent sa course. Donc là il doit pas être très content l'Australien. Et nous on a encore une chance d'aller chercher une victoire. Ça c'est incroyable, honnêtement on est au 33ème tour. On peut encore aller chercher Ricciardo. Et là c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont une chance de victoire. Raikkonen, moi, il y a même Magnussen hein. Il suffit qu'il y ait un crochage avec Ricciardo, Raikkonen qui casse un aileron et Magnussen peut se retrouver en tête du Grand Prix. Et c'est reparti, on va terminer le 33ème tour et on va entamer le 34ème. Allez, faut pas se louper, on tente par l'extérieur directement sur Raikkonen, ça va pas le faire. Cette fois-ci, il y a un petit peu moins d'eau, on peut se permettre à l'aspiration. On va tenter de revenir et ça va pas le faire, ce manque de puissance. Manque de vitesse de pente encore une fois. Au moins, on est safe, on va pas se faire attaquer par Magnussen. Et on va pouvoir se concentrer sur Kimi Raikkonen, pardon. Les deux commencent par avec un K, du coup je me mélange un petit peu. Et Ricciardo qui a pas fait une très très bonne relance cette fois-ci. Raikkonen est bien resté au contact. Et nous on n'est pas trop mal positionné, on s'est pas fait attaquer par la Haas. Et on va pouvoir tenter, regardez, on est vraiment pas mal. Et si dans les deux derniers tours on est cherché la victoire, ce serait pas mal vraiment. En Hongrie ce serait le bon moment. Et Raikkonen qui a l'air en difficulté pour l'instant. C'est vrai que là il y a beaucoup moins d'eau, la piste est quasiment sèche. Alors elle est loin d'être sèche hein, mais elle sèche au fur et à mesure. Et là les pneus wet sont de plus en plus difficiles on va dire. Et attention le travers, on perd un petit peu l'arrière. Et là on est dans le rythme de la Ferrari, on va peut-être pouvoir tenter quelque chose. À l'extérieur ça va pas le faire pour l'instant, il va falloir attendre, peut-être attendre le dernier tour, attendre le dernier virage, je sais pas. Mais pour l'instant on peut pas dépasser, essayer de pas faire d'erreur, surtout c'est l'objectif. Et pour l'instant on est vraiment au contact, on n'est pas trop loin. Faut essayer de vraiment se concentrer et pas lâcher. Ça va être une course de patience maintenant si on veut aller au moins chercher Kimi Raikkonen. C'est vrai que Ricciardo ça va être compliqué. On devrait déjà doubler Raikkonen le plus vite possible et après dans le dernier tour tenter quelque chose. Mais là je vois pas comment on peut aller chercher Ricciardo. Et attention l'énorme travers, Raikkonen qui nous a un petit peu gêné, l'énorme travers qu'on a fait. On a perdu un petit peu de temps et léger blocage de roue. Attention, pas faire d'erreur, on est toujours présent. On va peut-être pouvoir bénéficier de l'aspiration mais ça va être compliqué. On l'a vu depuis le début de la course, on n'a pas une très très bonne vitesse de pointe. Et on va entamer le dernier tour, on est pas mal. Si on arrive une nouvelle fois peut-être à l'extérieur, on s'est loupé un petit peu. Attention, on s'est même loupé 2 fois. C'est pas une bonne fin de tour pour l'instant. Et ça va être compliqué d'entamer le dernier tour. On n'est pas très très bien positionné. Ça va être très difficile. Même attention, on perd un petit peu l'arrière. Là c'est difficile cette fin de course. On va entamer le dernier tour. Et là on est très très loin. Ça va pas le faire à mon avis. Et attention derrière Kevin Magnussen aussi qui va peut-être se faire attaquer par Valtteri. Et non, Valtteri Bottas qui n'attaque pas. Bottas et Vettel qui vont rester derrière Magnussen pour l'instant. Et nous on va se concentrer sur Raikkonen. Essayer d'aller chercher le Finlandais. Ça va être compliqué. On peut voir, regardez, à chaque accélération, faut vraiment corriger la voiture pour pas la perdre. Les pneus qui commencent un petit peu à fatiguer. Essayer de gagner du temps, c'est pas facile. Là, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour dépasser à partir de maintenant. Ce sera tout gagné dans le deuxième secteur. Peut-être essayer dans le troisième. Peut-être dans le dernier virage. On l'a déjà fait. On l'a vu en début de course. Hein. On l'a fait. Donc c'est pas terminé. On peut encore le faire. Hein. On l'a fait dans le dernier virage. Donc pourquoi pas sur Kimi Raikkonen. Essayer dans le dernier tour, dans le dernier virage. Et il y a quand même une seconde. Hein. Il y a quand même une seconde d'écart entre moi et Raikkonen pour l'instant. Il va falloir tout tenter dans le deuxième secteur et essayer de tout donner. Et là, regardez les pneus qui sont totalement morts. Normalement, on devrait être en pneu intermédiaire hein, sur cette piste. Mais là, on n'est pas rentré forcément. Ça aurait été synonyme de perdre toutes nos positions. Donc là, il faut essayer de survivre. Et dans ce dernier tour, ça va être compliqué. On est très très loin de Kimi Raikkonen. Attention, l'énorme travers. Oh là là. Attention, l'énorme travers. Et ça, ouais, attention, ça se complique là. Par contre, avec les pneus arrière qui sont en train de surchauffer, ça devient très très difficile avec la McLaren. Et attention à la correction. Attention à pas tout perdre dans le dernier tour. On est en train de perdre la voiture et Kevin Magnussen qui va revenir. Magnussen qui revient. Attention dans le dernier tour. À pas perdre le podium. Et Magnussen qui va se décaler. À l'intérieur, ça va passer. Magnussen qui va tenter. Et on va résister. Attention, le contact. On s'est touché par l'extérieur. On va devoir aller au large. Oh, ça va être tendu. Ça va être tendu. On va garder cette troisième position. On s'est fait une belle frayeur là dans le deuxième secteur. Et attention, et les corrections. Attention, les pneus arrière qui sont en train de nous lâcher dans le dernier tour. On est en train de faire un remake de Monza saison 1. Et dans le dernier virage, on va résister. Attention, hop, à la perte. Attention à Magnussen, victoire de Ricciardo. Et Magnussen qui va revenir sur la ligne. Non, c'est bon. On devrait normalement s'imposer. Ça va être limite. Attention sur la ligne quand même. Est-ce qu'on est resté troisième? Oh, c'était serré en tout cas. C'était très serré. On est resté troisième. Absolutely amazing, sensational. You deserve that absolutely fully. Well done, well, well done. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Red Bull se prépare à célébrer cette superbe victoire comme il se doit.
D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat ? Eh bien, ils ont su exploiter l'arrivée de la voiture de sécurité à la perfection. Il y a une foule de facteurs à prendre en compte lors de la neutralisation de la course. Faut-il rentrer au stand pour chausser des gommes neuves ? Est-ce que votre avance est suffisante ? Combien de carburant pouvez-vous économiser ? Si vous prenez les bonnes décisions, vous avez toutes les chances de l'emporter. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Les pilotes viennent de s'extraire de leur monoplace et nous sommes heureux de voir Red Bull sur la plus haute marche du podium car ils se sont énormément investis en Formule 1 ces dernières années. Voici donc un nouveau trophée qui prend la direction de Milton Keynes. Pour 10 petits millièmes, on finit devant Magnussen. 10 millièmes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'était pire qu'un photo finish. On finit du coup 3ème sur le podium en partant 15ème. Très très belle remontée encore. Hein. Vraiment, on a bien géré aujourd'hui. Raikkonen qui a fait pareil. Hein. 16ème, 2ème, c'est encore mieux limite avec sa Ferrari. Devant, victoire de Ricciardo. Respect. Respect, franchement, stratégie parfaite. Le rythme était bon, il a pas eu de chance avec les deux safety cars. Donc il aurait pu facilement gagner avec 20 secondes d'avance. Donc franchement, respect à Red Bull qui a vraiment taffé pour remonter après l'Allemagne. Magnussen qui finit 4ème, incroyable. Incroyable, la performance de Magnussen elle est vraiment folle aujourd'hui. Donc faut quand même le souligner. Derrière on a Bottas, Vettel, Ericsson 7ème quand même. Ericsson qui s'est battu en début de course, je le rappelle, et qui finit donc 7ème. On a Stroll 8ème. 8ème, ça veut dire des points pour Williams. Enfin, en deux saisons, c'est les premiers points des Williams. Et tout en bas, on retrouve Stoffel 16ème et les deux Force India. Il y a eu une disqualification de Perez et je me demande si c'est pas pour ça qu'il y a eu une des deux safety cars, surtout la deuxième. Parce que il n'y a pas eu de crash pour les safety cars, donc je sais pas trop. Et au classement pilote, regardez, Bottas repasse en tête, suivi d'Hamilton qui tombe deuxième à 9 points désormais de son coéquipier. On est troisième à 31 points, donc on est vraiment pas mal. Avec Ricciardo, on passe devant Vettel qui tombe cinquième. Ricciardo passe à 1 point de moi, c'est bon, cette fois-ci je me suis pas trompé, pas besoin de me le dire dans les commentaires, vous inquiétez pas. Raikkonen est donc sixième, Hülkenberg septième, derrière ça ne bouge pas. Et on a Magnussen qui remonte à la 14e position, pardon. Et au classement constructeur, bien évidemment, ça ne bouge pas. Cependant, regardez tout en bas. L'équipe tout en bas a quand même marqué des points cette saison. C'est Stroll qui a marqué 4 points, faut le souligner. C'est la première fois en deux saisons. Ça va faire du coup 33 Grands Prix, je crois. C'est le 33e Grand Prix sur ce jeu. Et enfin, des points pour Williams. Donc c'est assez sympa. Et nous, on revient un petit peu hein, sur Red Bull. On revient à 25 points désormais. Donc va falloir surveiller quand même la fin de saison. Parce qu'au constructeur, on peut quand même aller chercher la 3e place. Belle performance sur la piste. Vous êtes fier de votre résultat ? Ah, clairement oui. Vous devez être ravi d'être sur le podium, j'imagine. Oui, ça fait du bien. Ça fait du coup le deuxième podium consécutif après l'Allemagne, donc ça fait plaisir pour l'équipe aussi. Vous vous êtes débrouillé pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui. Quelle a été votre stratégie ? Eh ben franchement, la voiture toujours dans le deuxième secteur, c'était un vrai plaisir, vraiment. Vous avez dépassé les attentes de tout le monde. On dirait que rien ni personne ne peut vous arrêter. Ouais, bah c'est sûr, forcément. Là pour l'instant on a une bonne équipe, tout le monde est heureux dans l'équipe, tout le monde va bien, le développement se fait bien, donc ça va. Malgré les conditions déplorables, avez-vous eu l'impression d'avoir un avantage sur la piste ? On va pas faire le malin, on va dire que c'est quand même grâce à l'équipe. Merci pour votre temps. Ah oui, c'est vrai que là, la dernière question, elle est un peu genre showman ou fair... Enfin, c'est quoi, c'est showman ou fair play. Moi, je crois que McLaren, si je dis pas de bêtises, ils veulent un sportman, voilà, c'est pas fair play, c'est... C'est sportman ou showman, et il me semble que moi il faut que je sois sportman, donc on va rester comme ça. De toute façon, moi j'ai pas besoin de me la racler pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, parce que si un jour ça commence à me saouler, je vous le dis tout de suite, hein, si chez McLaren ça va pas ou quoi, je vous le dis tout de suite, je vais directement en interview faire le malin, et il y a moyen que ça parte vite en couille. Finissez deuxième ou mieux en qualification, ouais. Compliqué quand même ton objectif, deuxième ou mieux. Alors avec en plus j'ai un accident aujourd'hui, c'est vrai que c'était très compliqué. Quand tu repenses que je pars avec un accident en qualification en Hongrie et que j'arrive à remonter sous la pluie en deuxième position, c'est assez incroyable. Et on va renégocier un contrat, super. Il est temps de renégocier votre contrat. Vos conditions actuelles sont affichées ici. Lors des négociations, l'équipe vous fait une offre. Vous êtes libre de l'accepter, mais n'oubliez pas que votre but est d'obtenir de meilleures conditions. Bon alors on va vite modifier ça parce que là c'était une petite blague, hein. Finir 3ème en qualif et 1er en course, je sais pas ce que ça fume à Woking, mais ça y va, hein. Vraiment là ça va fort. Donc on va mettre 7ème en qualification et 5ème en course, ça me paraît raisonnable avec la voiture que j'ai. Normalement ça devrait le faire si je fais pas d'erreur en qualif, hein, je dis bien si je fais pas d'erreur. On va garder pardon, les objectifs difficiles et j'ai mis niveau 3 pour les bonus de développement.
Et ça va pas le faire. Nos exigences sont trop élevées. C'est beaucoup trop, donc on va devoir réduire 2-3 trucs. J'avais mis niveau 3 aussi en amélioration de la vitesse, donc c'est peut-être pour ça. On va se mettre en niveau 2, quoique niveau 2, parce que là il y a quand même une belle marge à faire descendre hein, quand tu regardes. Faudrait peut-être baisser aussi peut-être les stands. Est-ce que ça va le faire ? Oui, de justesse, ça passe. Ça passe de justesse, ça passe. Le but c'est que ça passe. Donc de justesse, on a un nouveau contrat, toujours niveau 3 pour les bonus de course et le développement. Et Niku, niveau 1 pardon, pour le temps de développement. Donc ça va, on est pas mal, ça reste un bon contrat. On est toujours en tête en termes de performance de voiture. On va prendre une amélioration. Alors là, c'est pour le long terme, c'est pour longtemps sur le châssis. Parce que vous pouvez voir que le châssis, on s'est fait totalement lâcher par Renault. Donc, on va reprendre une amélioration. On a le choix entre... C'est quasiment que des grosses. J'ai pas envie de faire une petite qui me sert à rien. Je vais prendre la plus grosse que je peux. Donc, c'est sur l'usure des pneus. Donc, ça va être assez intéressant. Et ce sera dans 4 semaines. Donc, dans 4 semaines, ce sera en Russie. Ce sera... La semaine prochaine, normalement, ce sera vendredi prochain, si je dis pas de bêtises, la Russie. Je voulais regarder quelles améliorations je pouvais prendre pour la traînée aussi. Faut absolument que j'améliore la traînée sur cette voiture. Sauf que j'ai plus de points de ressources pour l'instant. Donc, faudra attendre le prochain épisode qui sortira du coup vendredi. Ce sera le Grand Prix de Belgique. Ouais, si je dis pas de bêtises, après la Hongrie, c'est la Belgique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pas mal d'améliorations de prévues. Vous pouvez voir, ça va être assez intéressant cette fin de saison. Le championnat n'est pas fini, même si j'ai pas encore pour l'instant la voiture pour gagner. J'ai pas encore les performances pour gagner, vous inquiétez pas, moi j'y crois encore, donc j'espère que vous y croyez aussi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouvera vendredi du coup pour le Grand Prix de Belgique. J'espère que j'aurai une bonne course. Normalement, si on en suit le théorème de ma saison, j'ai eu une mauvaise course, enfin une mauvaise qualification aujourd'hui, donc normalement ça devrait aller en Belgique. Donc voilà, on croise les doigts, on se retrouve vendredi. Passez une bonne semaine, en attendant portez-vous bien, ciao.